La Bella Ciao. Bonjour. La Bella Ciao. Bonjour. La Bella Ciao. Bonjour. La Bella Ciao. Bonjour. Salut, je m'appelle Marco, La Bella Ciao, j'ai 53 ans et ça fait 17 ans que j'ai créé La Bella Ciao. Alors, par le biais de ce film, on va vous faire un petit reportage pour vous montrer comment on travaille à La Bella Ciao. Voilà. Moi, je suis né là-dedans. Depuis tout gosse, je fais de la restauration, des pizzas. Et puis, c'est ma passion, en fait. C'est une méthode de vie, c'est pas un travail, c'est une passion. On a ça dans le sang ou on l'a pas. En tout cas, moi, c'est sûr et certain, je l'ai. Notre métier, en fait, il faut qu'on réussisse à faire plaisir aux gens tout en se faisant plaisir. Et le plus important dans ce métier, c'est ça, c'est de vouloir faire plaisir aux clients. Alors, on a des pizzas préférées, forcément. On a des pizzas qui ne sont pas tellement communes, c'est-à-dire avec des produits italiens, avec du jambon cru San Daniele, avec de la rucola, avec de l'huile d'olive. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger et c'est des choses qu'on fait découvrir à nos clients et en plus de ça, ils adorent. Et depuis 2 ou 3 ans, on a encore ajouté une pizza avec des atrios. Alors celle-là, c'est pareil, c'est le top du top. C'est vraiment les pizzas spéciales de Saint-Martin. Comme on vend nos pizzas ici en Ajoie et dans le Jura, on travaille beaucoup avec les fournisseurs locaux. C'est-à-dire, on travaille avec la boucherie Valla à Bure, qui fabrique du salami que pour nous, spécialement pour nous. Et on travaille le lard avec eux. On travaille encore la saucisse d'Ajoie et on travaille aussi le jambon avec eux. Et on a aussi un autre fournisseur, un autre boucher, c'est la boucherie Chapuis à Courgenay. Et ils nous fabriquent aussi des merguez spécialement pour nous, assaisonnées comme on l'a demandé et au diamètre qu'on lui a demandé aussi.
Bella Ciao. Bonjour. La Bella Ciao. Bonjour. La Bella Ciao. Bonjour. La Bella Ciao. La Bella Ciao. Bonjour. Alors, ce soir, on est à Courgenay. Tous les dimanches soirs, ça fait bientôt 15 ans. Et les autres soirs, on est moitié en Ajoie et moitié dans la Vanille. Le lundi, on est à Chevenay. Le mardi midi, on est à Bassecourt, chez Rudin. Le mardi soir, on est à Courtétel. Le jeudi, on est à Boncourt. Et le vendredi, à Bassecourt. Voilà. Voilà. La Bella Ciao à Courgenay, bonsoir. Ouais, vers quelle heure ? Ça vous arrangerait ? 19h30. Pas de soucis, je vous écoute. Oui. Une marguerite avec des olives. Oui. Alors, une marguerite avec des olives. Avec un œuf. Oui. Une campagna. Est-ce que je les coupe ? Alors c'est noté, à tout à l'heure. Ouais, ça fait quand même 17 ans qu'on existe. Alors les gens, ils ont leurs habitudes, et puis nous, on a nos habitudes aussi, et puis voilà. Les gens sont trop contents de nous accueillir, et nous, on est super contents d'aller chez eux. Et tous les week-ends, on travaille aussi avec les anniversaires, on fait des anniversaires chez des particuliers le samedi. Et puis on fait aussi un peu des manifestations, mais quand il y en a, pas en ce moment. Hein. Oui, c'est un spécialiste d'italien. Italien, alors. On voit que c'est un Italien et qu'il a une autre culture de la pizza que la nôtre. C'est vraiment l'origine de la culture de la pizza. C'est vraiment lui qui nous l'a apporté encore en plus. Alors on travaille beaucoup avec les entreprises locales. Alors on aime bien travailler avec les entreprises de la région, W Sport qui nous font les vêtements, la boucherie à côté, à Courgenay qui nous font le lard, et là, et le jambon, voilà. Il y a encore un petit peu de... Encore un petit coup. Voilà, bonsoir. Alors, une Mamma Mia. Alors, bonne soirée à toi. Bon appétit. Bye bye. Ciao, bye bye. Merci beaucoup.
Ciao Patrice. Alors je vous présente Patrice, c'est le nerf de la Bella Ciao, ça fait 15 ans qu'il travaille à la Bella Ciao, voilà. Et quand il est venu travailler chez nous, il croyait qu'il voulait rester 15 jours, mais en fait il est resté 15 ans. Hey, ciao Gigi. Salut. Tu vas bien? Ouais. Ouais, t'es en forme? Ouais. J'espère, parce qu'on va se faire défoncer ce soir. Ouais. Hey, salut Denis, comment vas-tu? T'as passé une bonne semaine? Ah oui, non, mais la classe, le week-end. La classe. Alors pour ce soir. Ouais, tu voudrais pour quelle heure, Denis? 19h15, oui. Hein, tu me mets une Bella Ciao. Une Bella Ciao, comme d'habitude, hein? Oui, comme d'habitude. Ouais. Ok, une Bella Ciao. Bon, étant donné que l'avantage qu'il y a avec toi, c'est que tu mets toujours un petit plus. Tu peux mettre des anchois avec. Mais bien sûr, pas de souci, avec voilà. Plaisir. Oui, alors là, c'est super. Et puis je viens chercher. 7h15. Ok, est-ce que tu veux que je te la coupe ta pizza? Oui, volontiers, oui. Bon, alors ce sera fait. Alors, c'est ça marche? Super sympa. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Okay, ciao, bye, Denis. Ciao. Bye bye, merci beaucoup. Hop la gates. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste combien pour le foyer? 3. Oui. C'est les 3 petites là? Non, c'est qui sont dans le four? 7 heures? Ouais, pas de souci. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? 2 petites jambons champignons. Ouais. Petite aussi, hein? 2 petites jambons champignons et une petite parmigiana. C'est noté, à tout à l'heure. Merci beaucoup Sylviane. Ciao, bye bye, merci, ciao, bye. Salut, bon appétit. Ciao mon petit, bon appétit, ciao, bye bye. Une petite prosciutto. Ja, voilà. Je te les coupe pas, hein, Tibor, hein. Ok, c'est noté. Tout à l'heure, Tibor, merci beaucoup. Ciao, ciao, bye bye, ciao. Ça, c'est quelle heure? 18h. Tu veux une familiale, Marc? Tu veux qu'il te fasse presto? Alors, viens les prendre, viens vers. C'est dans moi le cas. Ah, c'est dans moi le cas. Oh, bah. Ça va. Qu'est-ce que tu dis, le petit? Je t'entends pas, ça. T'as plus de langue? Viens voir. Ah, ouais, t'as une langue. Ah, je croyais que t'avais plus de langue. Puis toi, grand, t'as plus de langue? Hein? Ils t'ont coupé la langue, tes parents? Viens voir. Ah ouais, il t'a pas coupé la langue. Bon bah alors ça va. La Bella Ciao. Bonjour. Ça marche? Est-ce que je les coupe?